Bonjour, Saint-Georges, par Viewpoint Falls. Comment allez-vous? Hey, c'est beau de vous voir en grand nombre ici aujourd'hui. Commençons par Power Viewpoint Falls. C'est le temps de vous décider. Êtes-vous une place ou deux places? Mon ami me demande où est-ce que tu vas en fin de semaine? Je dis, je vais avoir Power Viewpoint Falls. Il dit, oh, tu vas à deux places? J'ai dit non. Il dit, mais t'as dit le nom de deux places? Oui. Il dit, mais tu t'en vas à la même place? Oui. Mais je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Hey, merci beaucoup. Pouvez-vous m'amener à Power Viewpoint Falls? Non, c'est pas deux places, c'est une place. Puis, je sais que vous aimez ça, là, Power Viewpoint Falls, mais pour le restant de la planète, là, ça serait peut-être bon de changer de nom. Power Falls, par exemple, Pine View, c'est beau. Je peux pas croire qu'il y a personne qui a pensé à ça quand on a amalgamé les villages. Puis, si Saint-Georges embarque là-dedans, c'est le bordel, hein? Bienvenue à Power St. Falls Pine George View au Manitoba, le village d'indécision. Et j'ai pris une marche dans le beau village francophone de Saint-Georges. J'ai marché les rues Marie, Annette, Clara, sans doute nommées d'après les filles des fondateurs. J'ai traversé les rues Vincent, Caron, Gagné, grande famille de la région. Châteauguay, MacDougald. MacDougald, j'ai lu MacDougald puis j'ai dit, ben coudonc, j'ai-tu marché jusqu'à Parview, Pine Falls? Qu'est-ce que ça vient faire, la rue MacDougald, à Saint-Georges? C'est le nom du premier anglophone qui est resté à Saint-Georges plus que 15 minutes. C'est un bûcheron en 34. Ouais. Il s'est coincé une jambe en deux billots de bois. Il a passé trois jours. Hey, j'ai pas fini mon histoire. Puis qu'est-ce qu'il y a d'envergure dans la région? C'est le festival 4P. Paper, Power, Pickerel, Peas. Avez-vous déjà essayé de le traduire à Saint-Georges en français? Ça se fait. Papier, puissance, poisson, poids, hein? Justement, je me suis entretenu avec un des fondateurs du festival 4P, M. Caron. M. Caron, bonjour. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il y a toujours le P papier dans le festival 4P. Il n'y a plus d'usine de pâte et papier dans la région. C'est pour se rappeler de l'historique de la région. Et pouvez-vous m'expliquer le P de poisson, s'il vous plaît? P, c'est pour pickerel, pas poisson. Mais on n'attrape pas d'autres poissons dans la rivière? P pour pickerel! Parfait. N'est-ce pas que techniquement, pickerel, c'est walleye? N'est-ce pas que le festival devrait être en fait appelé 3P and a W? Oh, ferme ta gueule, mon petit cul d'enfant! OK, merci beaucoup. Puis je comprends pas les poids non plus. J'ai vu autant de poids dans la région que de pamplemousse. Cependant, vu la quantité de genres de pickles qui ont marché du festival 4P, on pourrait peut-être ajouter un P, hein? Papier, puissance, poisson, poids et pickle! Finalement, Power St. Falls, Pine George View, vous aimez les P? Je vais vous en donner des P. Je suis content de jouer pour votre paroisse pluraliste, parsemée de paysages panoramiques et pittoresques qui partagent son paradis, son patrimoine, son plein air, ses poissons et ses pickles avec les paresseux de la ville. Ça m'a fait plaisir. Bonjour! C'est pickerel, pas pickle, pickerel. Hey, Emilia, ils sont forts, tes pickles cette année. Maudit enfant, j'ai...